Dieu m'a dit ceci quand je priais la nuit. Il m'a dit, il élève des jeunes gens comme Billy Graham qui auront une autorité non pas pour les miracles, mais qui seront une voix qui va peser non seulement dans l'église, mais aussi dans le domaine politique. Et il m'a dit, Dieu me l'a dit pour le Congo. Il m'a dit une deuxième chose. Il m'a dit, Joël, Bob Jones a prophétisé pour moi. C'est un prophète un prophète majeur de notre temps. Et quand Bob Jones le voyait dans leur école des prophètes, il lui a dit, tu es un prophète, tu viens d'un pays qui s'appelle le Congo. Mais Dieu me parle pour l'église de ton pays. Il me dit, vous avez un problème de père dans votre pays. Et pendant qu'il était en train de vouloir trembler, il a dit que Dieu veut faire de beaucoup de jeunes gens des pères pour la nouvelle génération. Je n'ai fait qu'écouter ce qu'il disait. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe en ce temps? Écoutez-moi mes frères et sœurs. Je bénis Dieu pour le travail des pères. Nous aussi nous sommes des pères pour des fils. Autant que nous sommes des fils pour nos pères. Et à cause du nom que je porte de père, par rapport au fils que j'ai engendré, j'ai la capacité de m'élever et de défendre l'église et de défendre mon ministère prophétique. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens, Paul est en train de défendre son apostolat contre les faux apôtres et les faux frères. Et je crois que le temps est arrivé à cause de ce que Dieu fait parmi nous, que nous puissions nous opposer. Je dis que nous puissions nous opposer à tous ceux qui nous mènent à la distraction en cette période. Je me suis opposé à la télé contre une activité qui a eu lieu ça fait quelques jours. J'ai vu le pasteur m'appeler après et me dire, toi tu es un prophète, tu n'as pas peur. Et il a cru que j'ai considéré ça comme un sujet de fierté. J'ai eu mal parce que je me suis rendu compte, j'ai dit à cet homme de Dieu, nous ne sommes pas encore en persécution. Mais tu as déjà peur de parler. Et lorsque la persécution viendra, qui aura le courage de dire un mot? Le pasteur Massolo me le disait, Dieu est pauvre en homme courageux dans ce pays. Je parle d'abord de la responsabilité de l'église. Parce que ça en va de l'avenir de nos enfants. Ça en va de l'avenir de l'église de Jésus-Christ. Je prie que Dieu donne le cœur des pères dans cette nation. Je ne suis pas au débat de l'ancienneté. Je parle du cœur des pères. Un père défend sa maison. Il défend ses enfants. Même si je suis fils à des pères, mais j'ai aussi des fils qui ne doivent pas voir les bêtises qui se passent dans cette nation. Je préfère aller aux États-Unis faire ma vie, mais si je reste ici, c'est parce que je crois que Dieu nous a appelés à jouer un rôle stratégique dans ce réveil de Dieu. Et quand nos pères à nous n'arrivent pas à parler, nous qui sommes les pères pour nos fils, nous avons la capacité de parler. Il s'agit de l'église. Il s'agit de sa vie. Et il nous a appelés pour jouer un rôle dans cette vie. Et si nous ne jouons pas ce rôle, nous allons passer à côté des desseins de Dieu. Et Dieu peut se tourner vers une autre nation que nous avons négligée, mais qui sont concentrés pendant cette période. Ils forment leurs leaders, ils forment les missionnaires, ils préparent la prochaine génération, ils travaillent dans l'unité, ils travaillent dans la parole de Dieu, ils se sanctifient et lavent leur rôle. Dieu passera par eux. Parce que personne n'est indispensable dans les desseins de Dieu. Et vous savez quoi? Vous pourrez peut-être ne pas quitter votre position.
Mais vous allez quitter votre leadership. Parce que tu peux être Ruben le premier. Mais à cause de tes erreurs, tu restes le premier. Tu restes le grand frère. Tu restes l'aîné. Nous te respectons. Mais Dieu prend le leadership et il le donne à Joseph. Parce que tu as souillé le lit de ton père. Même quand nous parlons de Babylone ici, permettez-moi d'en parler librement comme ça. L'un des grands problèmes, lorsque Babylone est arrivé et que le système a commencé à s'établir, a commencé à s'étendre dans les nations, Dieu a fait une chose. Après l'époque de Nimrod, je dirais même pendant cette époque, Dieu a élevé un père Abraham. Parce qu'il n'y a pas plus d'éléments dangereux contre Babylone que les pères qui s'élèvent. Abraham s'est levé comme un père. Il y a eu Isaac et Jacob et les 12 apôtres qui viennent après. 4 générations par rapport au mouvement apostolique. C'est comme ça que même Paul a dit à Timothée, ce que moi je t'ai donné, confie-le à d'autres qui vont le confier à d'autres. Donc moi je suis le premier, toi le deuxième, ceux à qui tu vas confier le troisième et ceux à qui on va confier le quatrième. Dans cette nation, il faut le cœur des pères. Je répète, je ne parle pas d'ancienneté. Je parle du cœur des pères. Capable de défendre l'église contre tout. Et si nous sommes ici, c'est en tant que sentinelle pour prendre conscience des choses qui se passent. Maintenant. Les enjeux dans cette nation sont beaucoup plus spirituels qu'électoraux. Beaucoup plus spirituels qu'administratifs ou parlementaires. Pendant que vous êtes ici, il y a des choses qui se passent. Vous avez appris. On ne change pas l'histoire. Que j'étais enlevé ça. Ça fait quelques jours. Vous savez, lorsqu'on m'a arrêté, on m'a dit ceci. On te filait pendant 3 jours. Donc moi, j'allais au bureau de l'église. Moi, j'allais en prière. Moi, j'allais faire l'œuvre de Dieu. Mais on me suivait. Quand je ne savais pas, on mettait des projets sur moi. On formait des projets sur moi sans que je ne sache. Et on a dépensé de l'argent pour me faire du mal. Heureusement qu'on ne peut pas mettre une baleine dans une piscine. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Ne soyez pas aussi naïf que ça. Pendant que vous allez à l'église, pendant que vous tenez vos séminaires, pasteur, pendant que vous écrivez vos livres, et que vous n'avez que le projet pour vous et vos ministères, il y a en parallèle un monde occulte bien organisé spirituel qui ont déjà formé des projets sur vous, sur le réveil de la nation, sur vos églises, sur vos quartiers, sur vos foyers, sur vos femmes, sur vos maris, sur vos enfants. Pendant que vous êtes là, Samson, en train de travailler, vous ne savez pas qu'il y a un complot secret qui se passe, où les princes des Philistins sont assis en train de réfléchir comment vous écrouler. Et sachant que la force ne peut rien, ils sont allés voir Dagon pour prier Dagon afin qu'il leur donne Samson. La preuve, lorsqu'ils ont eu Samson, ils sont allés faire un culte de l'action de grâce à Dagon et le remercier parce que c'est toi qui nous as donné Samson. Les choses sont beaucoup plus spirituels que nous le pensons. Et nous sommes là dans cette assemblée générale des sentinelles afin de tenir compte de ces choses. Sinon, mes frères et sœurs, nous allons beaucoup tenir des conventions. Nous allons tenir beaucoup de conférences. Mais tant que l'atmosphère spirituelle est saturée, il n'y aura pas de percée. Même par rapport à la parole que nous apportons dans le cœur des gens. Je vais commencer par là. Je crois que l'esprit agit comme il veut que
que nous puissions parler. Que je ne crois pas, je suis pasteur, je suis prophète. Ça fait 2 ou 3 ans, j'étais au bureau de notre église et j'ai rencontré une jeune femme qui entrait au bureau. Elle était juste à l'entrée et on l'a appelée au téléphone. On l'a dit, où es-tu? Elle a dit, je suis en ville. Et l'homme qui est au bout du fil a dit, je sais où tu es. Si tu oses livrer nos secrets, elle a coupé le téléphone. Et cette jeune femme est entrée. Nous nous sommes mis. Elle a commencé à parler. Cette femme, cette jeune femme, prie chez nous à l'église. Mais en même temps, elle prie au Maïkari. Elle vient le jeudi. Elle donne ses offrandes. Elle prie à l'église. Elle crie à l'église. Elle chante à l'église. Elle est de nous. Mais elle n'est pas seulement de nous. Plein. Alors que je parlais avec elle, elle a commencé à me livrer des secrets. J'ai dit, je vais te maudire si tu continues à me citer des noms des hommes de Dieu. Mais homme de Dieu, tu peux me maudire. Ce que je te dis, c'est la vérité. Dans notre dojo ici, l'un de vos prophètes les plus connus était venu faire des dons des ordinateurs ici. Est-ce qu'on est dans l'assemblée des sentinelles? Est-ce que je peux parler librement? Il est venu faire des dons. Et je demandais à mon mentor, qui est une femme, je lui ai dit, mais cet homme, il est de nous.